Hey, coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un peu parler encore, comme vous le savez déjà, je vous ai déjà un peu dit, lorsque on est dans un véhicule, dans une habitation roulante plutôt, forcément, il y a des choses à faire, à refaire et à refaire et à améliorer, etc., etc. Et on est encore parti pour une amélioration pour ce mercredi. Donc, restez connectés et regardez un peu le changement. À tout de suite. En fait, je vous explique. Derrière ça, c'était ma cachette où est-ce qu'il y avait tous mes petits morceaux de bois au cas où si j'en avais besoin. Peut-être mieux comme ça. Au cas où si j'en avais besoin à l'avenir. Donc, je suis en train de tout retirer. Il y a des petits, il y a des gros, il y a des. J'en ai retiré pas mal des gros. Et du coup, je vais essayer de soit faire passer le tuyau directement par là, ou soit percer l'autre cloison qui est derrière, qui est. Voilà comment ça. Du coup, il y a deux cloisons. Il y a un vide entre les deux. Et derrière ça, c'est des rangements qu'il y a. Donc c'est soit je fais passer le tuyau dedans, dans l'étagère, dans le placard.
ou directement tourner ici. Thank you.
Il reste plus que les finitions à faire et logiquement, c'est parfait. Donc un peu de silicone par-ci et par-là et c'est déjà mieux qu'avant. Déjà un peu plus beau. Après, reste à savoir si ici aussi je mets du lambris. Je sais pas. C'est à voir. Bon, ici, c'est un peu voilà, c'est un peu spécial. C'est à voir si je mets du lambris ou pas. Mais pour le moment, voilà, ça reste comme ça. Et finir avec un peu de silicone. Et là, on voit bien le chauffage. Quitte à ne pas avoir d'eau chaude, et bien on va tourner avec de l'eau froide, mais en tout cas dans un milieu chaud. Voilà, dès le matin, j'ai retiré un peu ce qui servait à tenir la colle. Et là, voilà. Et donc, voici sur cette douche matinale, cette douche vue le matin, je dirais. Je vous invite à vous abonner. Et surtout partagez la vidéo et n'oubliez pas, mettez un petit like et puis soyez présents tous les mercredis à 18h pour de nouvelles aventures. Allez, à très vite.